Eh bien, salut mes guimauves, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Louise de Sucrouroux. Coucou à tous, c'est Fancy Puppette. Même que les filles de la team, elles m'appellent Châtaigne. Bonjour à tous, alors moi c'est Rosène de Kérosène. Coucou à tous, on vous retrouve toutes les deux, donc petit atelier et ma boutique créative. Voilà. Bonjour, c'est Vanessa de la chaîne Bijoux Gourmand Zéro Calories. Bonjour tout le monde, c'est Mary Gourmand, anciennement les créas de Bibi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce spéciale Team Yes We Craft. Je pense que vous vous rappelez de ce qu'on avait préparé avec Jessica de Petit Atelier et Marie des créas de Bibi pour le mois de décembre. Voilà, on avait fait un calendrier avec tout un tas de tutoriels et bien cette vidéo est pour vous annoncer le retour de la team. Une team qui s'est bien agrandie, la famille a accueilli pas mal de créatrices que vous connaissez déjà, qui sont vraiment des créatrices formidables. Et voilà, tout ensemble, on vous a préparé un petit menu de vidéos, que ce soit des tutos, des challenges, il va y avoir tout un tas de trucs et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà, restez connectés, on va vous tenir au courant de tout ce qui va se passer sur tous les réseaux de la team. Et donc à très vite. Donc retrouvez-moi dans le projet de la team Yes We Craft pour des vidéos et des tutos donc adaptés à nos univers. Donc je suis super contente de faire partie de ce projet avec des créatrices au top et je vous dis à bientôt sur nos chaînes. Retrouvez-moi dans le projet Yes We Craft et je vous dis à bientôt. Bye. Là, donc on va faire partie du projet Yes We Craft avec toutes les autres filles. Donc on espère vous voir prochainement, très prochainement. Très rapidement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et du coup, on vous dit à bientôt. Bisous. Je suis ravie de faire partie de la team Yes We Craft. J'espère que vous serez très nombreux à nous suivre dans cette nouvelle aventure qui démarre très prochainement sur YouTube. A très vite. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour le projet Yes We Craft. Donc pour celles qui me suivent depuis quelques temps, on avait avec Petit Atelier et Sergent Guimauve lancé le projet déjà en décembre avec un calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, on se retrouve avec beaucoup plus de filles pour cette aventure. J'espère que le projet va vous plaire, que vous allez être nombreuses à nous suivre et je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour suivre mes tutoriels. Yes We Craft, qu'est-ce que c'est? C'est une team, un regroupement de youtubeuses réunies dans un seul but, le partage. Pourquoi cette team a été créée à l'origine? Tout simplement pour éviter les lynchages du genre tu as copié sur machin quand deux youtubeuses faisaient le même tutoriel, je prends par exemple la tarte au citron, sans avoir copié l'une sur l'autre, mais il y avait énormément de réflexions de la part des abonnés dans ce sens-là, et c'est complètement aberrant, personne n'a l'exclusivité d'un tutoriel, vous publiez les tutos que vous voulez, donc la team a été créée à l'origine pour ça. Comment ça va se dérouler pour vous? Deux fois par mois, vous allez avoir un tutoriel sur nos chaînes respectives, sur un thème donné. Comment ça se passe de notre côté? On tire au sort un sujet, je prends par exemple les bonbons, chacune de notre côté, on va faire un tutoriel sur ce thème-là, sans nous concerter, et à une date donnée, on va mettre en ligne nos tutos sur nos chaînes respectives. Là, deux choses peuvent arriver. Soit on a toutes un tuto différent parce qu'on a des univers différents et qu'on n'est pas tombé sur la même création, soit il est possible que deux youtubeuses fassent la même création sur les bonbons, je prends par exemple la sucette Lollipop, mais on ne s'est pas concerté, on ne sait pas qui a fait quoi, on est tombé par hasard sur le même tuto. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a fait le même tuto qu'on a copié l'une sur l'autre, c'est le fruit du hasard. Et c'est pas parce qu'une youtubeuse a déjà fait le tuto d'une lollipop qu'elle a le monopole de la sucette lollipop en tuto. Tout le monde peut faire ce tuto-là s'il veut. Et il y a un autre avantage, c'est que chaque créatrice a ses petites techniques. Donc piocher un petit peu à droite à gauche, même si c'est le même tuto, la même création, piocher des techniques un peu partout, c'est l'avantage. Plus vous allez avoir tuto sur cette création-là, plus vous allez pouvoir choper des techniques. Sur ce, j'espère que le concept va vous plaire, que tout ce qu'on va faire pour vous faire plaisir va vraiment vous faire plaisir. Hein. Et je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite sur ma chaîne et sur la chaîne des autres pour des tutoriels et des vidéos super sympas. Voilà, allez, gros bisous à tous, ciao.